Moi j'aime quand tu te fais embarquer par la police, moi ça m'intéresse pas. C'est un vicieux, il part ma chance. Voilà. Quand tu te fais embarquer par la police, je viens. Et quand tu te fais embarquer par la police, je rentre. Et quand tu te fais embarquer, il y a Rémi qui est là. Non mais faut être habitué. Vraiment, ça fait... Il est habitué, combien d'embarquements? J'ai été arrêté une quarantaine de fois. Non, je ne compte plus. Une douzaine de nuits en garde à vue. Mais en fait, je veux comprendre que eux, c'est des techniques. Ils emploient la violence pour que tu coopères. Par exemple, un jour, ils vont te dire monsieur, c'est fini, il faut aller avec nous au métro. Mais qu'est-ce qui se passe si tu dis non? Ils vont appliquer de la douleur. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une caméra et qu'ils t'assiedent? Ah, ils sont bien embêtés, bon, je vais revenir à 5 pour t'embarquer. Et là, Mike, il sera tout content. Il aura une vidéo, il sera à 5 pour t'embarquer. Donc là, c'est des techniques où tu vas pas jusqu'à les provoquer pour recevoir ton matraque. Bon, tu t'en prends, c'est le risque du métier. Mais tu apprends à résister de telle sorte que tu maximises le courage citoyen que tu diffuses. Mais là, t'es en train de me dire qu'en fait, c'est peut-être Mike qui t'envoie la police pour te faire maltraiter pour après tout. Mais oui, c'est pour ces images, c'est pour les lives. C'est Mike. Mike, c'est pour les lives. Bon, alors, ça, tu vas couper parce que je vais mettre ton prénom à l'écran. C'est Léo. C'est un méchant, il a un t-shirt rouge. J'ai pas encore commencé. T'as récupéré une caméra? Non, c'est de l'autre côté de caméra qui m'ont pété. Ah. Ça, c'est uniquement pour les manifs. Je vous ai suivi sur Géopolitique. Pourquoi tu l'as pas dit là quand tu as été suivi par les gendarmes, les gendarmes de l'air, avec les commandos de l'air à Marseille, quand on a atterri? On a les images en plus. Eh oui, mais je suis avec sur Mike pour me recentrer, pour me poser la bonne question sur les arrestations. Mais comme je parlais tout le temps, je vous ai suivi avec un différé de 1 heure. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde, c'était terminé. Je voulais envoyer un message à Mike en disant, moi je vous ai la question, l'armée de l'air, les commandos de l'air étaient à l'atterrissage quand elle cherchait un banderole et ils te regardaient récupérer tes affaires. Non mais le public écoute Mike, c'est des intellectuels, ils en ont rien à foutre que le mec il se fasse arrêter. Et j'en ai la preuve. Il laisse son front parler, hein. C'est agréable, ça. Ouais, c'est les gens qu'on voit. Voilà. Après, ça dépend parce que Mike, quand il fait une interview, là, l'affreux Mike, droit tard méchant, quand il fait l'interview, il a un public d'un télo. Mais quand il est sur TikTok, ce qu'il veut, c'est une arrestation. Voilà. T'as tout compris. Je veux du sale. Je viens le 15 août. Pour ce zigoto et Brigide, je me disais, on va faire les cons. Et après, il y a les flics devant. Ben rien. Ben, elle avait marqué sur la banderole et elle avait marqué je t'aime. Alors... Et même là, il s'est mis sur la bagnole, les flics, ils ont là rien. Alors vraiment. Mais ils veulent me choper la main dans le sac de la banderole de discussion pour faire croire que c'est illégal. Ben, le jour où tu diras Macron en prison. Non, il n'y a pas aucun souci, ça. Mais tu veux Macron, tu veux l'impact? Non, je parle pas au con. Mais continue de me faire chier. La prochaine fois, j'ai dit la bise de ma part, ok? Je dis parce il a pas eu le courage de dire. Au téléphone, tu lui fais la bise, tu lui dis qu'il faut toujours faire la bise aux gens qu'on envoie en prison. D'accord. Ouais. Bon, je vais attendre un peu, je vais avoir des problèmes avec ma famille. Je vais demander de me calmer un peu. D'accord. Et ben ça, tu vois, récemment, je suis allé sur un terrain d'aviation et il y avait la gendarmerie qui attendait. Je me dis, je vais me faire arrêter. Je commence à tweeter arrestation dans 5 minutes. Je me cache aux toilettes, je me fais beau et tout, pour mon arrestation et tout. Je ressors. Et non, les flics, ils parlaient tout. Ils disent, je crois qu'on est là pour le tournage d'une arrestation. Il y a un autre pilote qui résiste. Je regarde, les gendarmes, ils parlaient entre eux, voilà. On attend un pilote qui est pas très bien dans son avion, là. Bon, on va faire un tournage d'arrestation. J'y croyais pas, je disais, mais attends, c'est des vrais gendarmes. Et en fait, après, il y a le gars que j'attendais, le patron du terrain, et il vient me voir comme ça, il me dit « David, arrête de déconner, viens plus chez moi. J'ai une femme et des enfants, faut arrêter de déconner, ils veulent fermer le terrain, j'en aurai pour 3 mois de contrôle, ils vont venir fouiller dans tous les hangars pour voir s'il n'y a pas ton ULM, ils vont faire chier tout le monde. S'il te plaît, va-t'en le plus vite possible, sinon tu vas te faire arrêter dans 5 minutes. » Et en fait, ce qu'ils font, c'est ça bien qu'ils ne me découragent pas à force de m'arrêter. Voire même qu'après il y a Mike qui va diffuser des vidéos et que ça va renforcer la résistance si je me fais arrêter. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de décourager les gens autour de toi. Les gendarmes, ils envoient, ils arrivent à 7h du matin chez ma mère, sonner et dire « Madame Van Emmerich, il est où votre fils ?»
pilote, parce que je crois qu'il pilote une banderole et on a besoin de savoir où il est. Genre, je dis à ma mère où je vais. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Pour que ma mère, elle en ait marre et qu'ils disent mon fils polytechnicien est devenu délinquant, ça serait bien qu'il trouve un boulot et qu'il arrête ses conneries. Alors qu'il n'y a rien de plus sérieux que de vouloir libérer la France. Ouais. Moi, je suis votre employé, je suis le pilote qui pilote pour la liberté. Donc si vous voulez la liberté, je suis votre pilote. Tu leur as pas dit que c'était ta mère qui a fabriqué la banderole? Ah non. Non, c'est des résistants en secret dans un autre pays très très loin. En Russie? Non. Non. Pas en Russie. C'est pas une banderole. Non, c'est en Europe. La banderole est made in Europe par des résistants qui nous aident. On a besoin d'un pilote pour la France. C'est pas que t'es pour maladie.